note élémentaire. Quelle triste histoire. Tiens. Ne bougez pas, monsieur Poirot, je vais ouvrir. Oh, merci, Miss Lemon. Bonsoir, Miss Lemon. Bonsoir. Monsieur Poirot vous attend dans le petit salon. Merci, Miss Lemon. Le capitaine Hastings pour vous, monsieur Poirot. Je m'en doutais. Commencez à aller préparer le thé, Miss Lemon. Notre troisième invité ne devrait pas tarder. Bien, monsieur Poirot. Ce cher Poirot. Ah, Hastings, mon bon ami. Mais au fait, Poirot, quand notre ami le docteur Hawker doit-il arriver? Eh bien, pour tout vous dire, Hastings, il ne devrait pas tarder. Ah, mais en fait, je vous ai pas dit, mais je suis passée à la maroquinerie tout à l'heure. Ah, ça doit être lui. Le docteur Hawker, monsieur Poirot. Très bien. Voulez-vous bien servir le thé, Miss Lemon? Bien, monsieur Poirot. Bonsoir, monsieur Poirot. Et ce cher capitaine Hastings. Comment allez-vous? Bonsoir, docteur Hawker. Bonsoir. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Le thé va être servi. Merci, Miss Lemon. Avez-vous lu cet article écrit dans la dernière parution du Times? Il paraît que le crime à l'arsenic a augmenté de 10% durant ces 5 dernières années. Exact. J'ai lu le même article tout à l'heure. Il parlait, me semble-t-il, d'une femme qui avait empoisonné son mari à l'arsenic, puis qui, malheureusement, s'était donné la mort. C'est une triste histoire, en effet. En effet, Hastings. Mais dites-moi, docteur, à quoi reconnaît-on une mort par empoisonnement à l'arsenic? Cher Hastings, tout simplement en pratiquant une autopsie. Mais voyons, mon cher Hastings, vous ne le saviez pas? Docteur, docteur! Qu'y a-t-il, Miss Lemon? Docteur, on vous demande! Cette voix, c'était horrible, ça m'a glacé les sangs! Qu'y a-t-il? Quelle voix? Mais de qui parlez-vous? Le téléphone a sonné, j'ai répondu et la voix a dit « Au secours, docteur, au secours, ils m'ont tué !» Puis plus rien. Alors j'ai demandé qui était à l'appareil et on a chuchoté, enfin, j'ai cru comprendre, « Foscatine », quelque chose comme ça. Et « Regent's Court ». Le comte Foscatini, il possède un appartement à Regent's Court. Il faut que j'y aille tout de suite. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Un de vos patients? Je l'ai soigné il y a quelques semaines pour une légère indisposition. Il est italien, mais parle un anglais impeccable. Bon, eh bien, je vous souhaite le bonsoir, monsieur Poirot. À moins que... Oh oh oh, je devine votre pensée. Je serai ravie de vous accompagner. Hastings, vite, allez donc, il y a un taxi. Oui, Poirot, d'accord. Fera combien? 15, s'il vous plaît, monsieur. Tenez. Merci, monsieur. Suivez-moi. Appartement 11. Le comte Foscatini. Il paraît qu'il a eu un accident. Comment? Première nouvelle. Monsieur Grieve, le valet du comte, vient de sortir il y a environ une demi-heure. Il ne m'a rien dit. Appartement 11. Premier étage. Le comte est seul chez lui? Non, deux messieurs dînent avec lui. Comment sont-ils? Oh, je ne les ai pas vus, monsieur, mais je crois que ce sont des étrangers. Ça devient sérieux. Avez-vous la clé de cette porte? Oui, dans le bureau du concierge en bas. Allez la chercher et appelez également la police. Je crois que c'est préférable. En effet.
Je crois que c'est une bonne idée. Vous pensez qu'il est trop tard, Poirot? Oh, vraiment, je n'en sais rien. Tiens, je crois que c'est eux. Allez-vous me dire, messieurs, à quoi rime tout ceci? Volontiers. Je viens de recevoir un appel téléphonique du comte Foscatini disant que l'on l'avait attaqué et qu'il se mourait. Vous comprendrez qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Nous arrivons peut-être déjà trop tard. Après l'antichambre, le bureau est sur votre gauche et la salle à manger sur votre droite. En effet, ils étaient bien trois ce soir. Un des deux invités doit être le meurtrier et puis l'autre son complice, ça paraît évident. Vous nous avez parlé d'un bureau. Où se trouve-t-il, s'il vous plaît? La porte à gauche de Monsieur Hastings. Hé, hey, capitaine Hastings. Allons-y. Oh mon Dieu! Docteur Walker, venez vite! Hastings, appelez une ambulance. Bien, Poirot. Il n'y a plus rien à tenter. La mort a dû être instantanée. Je me demande même comment il a eu la force de téléphoner. Nous avons ne touché à rien avant l'arrivée de la police. Faudrait peut-être fouiller l'appartement. Les assassins sont peut-être encore là. L'ambulance est en route. Ah, tiens, 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 très intéressant. En tout cas, nous avons déjà l'arme du crime. Oh, 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 vous m'étonnerez toujours, Hastings. Et ce que nous pouvons dire, c'est que le crime a été commis à 20h47, très précise. Comment vous pouvez dire ça? Oh, c'est bien simple. La montre du mort s'est cassée en tombant et elle indique précisément cette heure-là. La fouille n'a rien donné, Poirot. Comme cela paraissait évident, les assassins sont partis. Dites-moi, mon cher Hastings, qu'observez-vous dans cette pièce? Sur la table en acajou, nous avons trois assiettes à dessert qui n'ont pas été utilisées. Et apparemment, les trois hommes ont bu du porto, puisque le carafon est à moitié plein et qu'il est encore sur la table. Et sur la table de jeu, on a trois tasses avec des restes de café dans chacune. Deux contenant du café noir et l'autre du café au lait. Un des hommes a ensuite fumé un cigare et les deux autres des cigarettes. Le coffret est encore sur la table. Mais que voyez-vous d'aussi captivant sur cette table, Poirot? Voyez-vous, Hastings, vous passez totalement à côté de la question. Je cherche quelque chose que je ne vois pas. C'est-à-dire? Une erreur, ne serait-ce qu'une petite erreur que le meurtrier aurait commise. Monsieur, veuillez m'expliquer, je vous prie, comment sont servis les repas? Oui, par un système de monte-charge relié aux cuisines situées au sous-sol de l'immeuble. Vous passez votre commande par téléphone et on vous envoie les plats par le monte-charge les uns après les autres. La vaisselle sale redescend par le même système. Ainsi, pas de soucis domestiques et il est plus agréable de pouvoir dîner chez soi de temps à autre que d'aller tous les jours au restaurant. Les assiettes et les plats utilisés ce soir sont donc à la cuisine. Puis-je la visiter? Naturellement. Roberts, le garçon d'ascenseur, va vous y conduire. Je ne sais pas si ça vous servira à grand-chose. Il y a des centaines d'assiettes et de plats qui seront empilés et mélangés. Ah, j'insiste.